Jocelyn? Non, non, mais faut vraiment que je rentre. C'est qui? C'est Mélanie. C'est pour Intimité publique. Tu m'as dit que tu me devais une entrevue. Je te devais une entrevue? Ben oui! Mais là, je la veux! Je On s'en fout, là. Je peux-tu entrer? Mais non, c'est pas... non, quand... Mais vas-y, rentre, hein! Bienvenue dans mon intimité. Aujourd'hui à l'émission Fringe Moi, on reçoit Intimité publique. Et Jocelyn va suivre un cours de yoga. Non. Oui. Non, elle n'est pas. Non, elle n'est pas question. Oui. Non, 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 non. Non, oui. Non. Non! Oui. Pourquoi ça bloque? Pourquoi ça veut pas sortir? Pourquoi ça reste pogné à l'intérieur? Je comprends pas. Pourtant, là, je mène une belle vie, je mange sainement, j'allie bien travail et vie personnelle. Pourquoi de bord j'ai ce problème-là? J'ai tout essayé. J'ai accordé mes repas avec mon groupe sanguin. En tant que B négative, là, je devais éviter les tomates, la bière, le chocolat, la caille, la carambole, ainsi que plusieurs types de céréales comme l'orge, le seigle et l'amarante. J'ai aussi pendant un mois, en raison de 2 heures par jour, tenter d'équilibrer mon yin et mon yang en faisant la posture de l'arbre et en buvant du thé vert. Résultat... Nada. Je reste bloquée. J'ai consulté un psy qui m'a conseillé de pleurer si j'avais envie de pleurer, de parler. Si j'avais envie de parler, de prendre du temps pour moi. Alors j'essaie de m'exprimer plus. Mais je sais pas quoi dire, moi, par où commencer. Ben, j'aime beaucoup le magasinage. Hey là, vous avez déjà commencé l'entrevue, vous commencez sans moi. Hey, mais laissez-moi rentrer, c'est pas vrai. Allô? Bon, Mélanie, tu veux qu'on fasse une entrevue? Ben, j'aimerais ça. Ouais, écoute, parle-nous de ton show Intimité publique. Ben oui, en fait, ça se passe dans une toilette publique, dans une école, l'école primaire arc-en-ciel. Okay. Puis c'est l'histoire d'une femme, une auteure, qui décide, là, devant le public, d'écrire sa propre vie. Puis d'arrêter de se conformer à la société pour pouvoir se retrouver elle-même en tant qu'humain. Fait que c'est ça, dans le fond, elle a usurpé l'identité de plusieurs personnes, à peu près tout le monde qu'elle a côtoyé. Puis elle se remémore ça face à des spectres qui viennent la hanter dans son imaginaire, qui est la toilette. Puis là, c'est ça, parce que ça s'est tourné, c'est entièrement dans une toilette publique. Oui. Puis donc, l'extrait qu'on a vu ou qu'on voit, c'est pas, ça se passe pas tout de cette façon-là. Non, c'est pas seulement une personne, c'est pas un monologue, tu sais. Puis c'est pas non plus une affaire scatologique. Non, mais on le précise, parce que j'ai vu le spectacle, c'est pas ça du tout. C'est un truc, c'est très existentiel, il y a beaucoup de questions à poser. C'est bon, mais j'aimerais ça comme, ben, finir ce que j'allais commencer. Bon, ça reparlera. Merci. Ouais. Je l'ai vraiment entendu. Bon, ça. Oui. Tout le monde veut plugger son show, là. C'est quoi? Sexy T-Rex aussi? Fringe-moi! Aujourd'hui, à Fringe Moi, on fait du yoga. Reach out through your fingers. Lift your nails. Plus, squeeze your legs. Broad collarbone. Get your elbows away from you. Bon, là, je sais, le yoga, c'est pas pour moi. Mais habillé comme ça, j'ai décidé que j'allais faire de la lutte. Je serai The Great Mosquito. C'est la dernière fin de semaine qui commence, donc courez voir des spectacles, il reste 3 jours seulement et il y a des activités au parc. Oui, donc ça, ce vendredi de 16h à 22h, on a journée Camuse et Amis avec DJ Battle et Heavy Sounds. Alors, venez fringer, amusez-vous, oui. Prenez une bière, c'est l'été, on est content. On est vraiment content, puis on vous aime. On vous aime.
Oh, regarde, on va aller le dire bien, bien proche.